Oh là là, j'ai trop envie d'aller aux toilettes. Oh là là, il faut que j'y aille. Je m'en fous, je suis bien équipé, ça va être impeccable. Là, je peux rester un siège, c'est le cas de le dire. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Coucou, papa Élise. Coucou. Ça va pas bien alors? Mamounette. Oh là là. Excuse-moi, mais j'ai une envie pressante. Heureusement, tu vois, mamounette, j'ai ce qu'il faut. Ah, pardon. Oh là là. Excuse-moi, les petits copains, les petites copines, franchement. Bon, écoute, je te propose quelque chose. Oui, quoi? Tu vas faire tes petites affaires aux toilettes, là. Oui. Tu pars vite. Oui. Et pendant que je lance le générique, là, on revient et on ouvre une surprise en rapport avec les toilettes, ça te dit? Mais écoute, ça me dit... Attends, je voudrais te dire un truc. Ah, ça fait du bien. Allez. Lancez vite le générique, pour nous. Géné prout. Papounet. Oui, je suis plus léger que tout à l'heure. T'as oublié un petit bout de papier. Qu'est-ce qu'il y a que... Oh, mais c'est dégoûtant. Mais non, il est propre, je parie. C'était une blagounette de Papounet. J'aime bien faire ça. Vous savez ce que je fais des moments, les petits copains de copine? Je sors des toilettes. Alors ça, vous pouvez le faire dans votre famille. Vous prenez un petit bout comme ça, neuf. Et puis, vous le collez comme ça derrière, juste derrière, qui sort de votre pantalon. Puis vous arrivez comme ça. Et comme ça, on croit que en fait, vous êtes mal essuyé et qu'il y a encore du PQ qui sort. Ça, c'est les blagues de Papounet. Il aime bien, ça fait rire en société. C'est très sympa. Bien, c'est pipi caca. Bon, mamounette, la surprise. Bon, voilà, je vous ai promis une nouveauté en rapport avec les toilettes. Les toilettes et les Grecs. Les Grecs? Oui, parce que ça s'appelle... Pouparousse. Moi j'aurais dit plutôt avec les Russes, parce que les poupées russes. Pouparousse. Alors, regardez les petits copains, les petites copines, je vous montre juste l'emballage. Regardez, ça se présente comme ça. On a trouvé ça avec Ellie à Jouer Club. On s'est dit, il faut qu'on teste. Bah oui, il faut qu'on teste. Alors, on a un toilette. Apparemment, il y a une petite figurine, des petits sachets. On les met dans l'eau. On découvre des petits cacas, voilà. Des petites choses. Non, voilà. C'est pas des cacas, mamounette, qu'on découvre. Qu'est-ce que c'est? C'est de la nourriture. Ah, moi, il me semble, oui, voilà, il y a des cacas aussi, papounet, regarde. Ah bah d'accord. Voilà, et on va voir ce que fait cette petite figurine. En tout cas, les toilettes sont très très beaux, ils sont très mignons. On n'a pas des toilettes comme ça, nous. C'est vrai. Alors, on connaît pas du tout, comme l'a dit mamounette. On va essayer de découvrir ce jouet ensemble. On va essayer de faire ça comme il faut aussi. Alors, t'as un petit scotch, ciseaux. Et voilà. Dès qu'on veut ouvrir un jouet, il faut des ciseaux, papounet. Tout le temps. Ah, tu veux que je t'aide? Attends, voilà. Alors regardez les petits copains de copines. Dedans, ça représente... Un chiotte, comme dit Ellie. Ellie. Des WC. Alors, mamounette, je t'ai entendu, t'as dit un toilette. Tu crois que c'est masculin? Moi, j'ai toujours dit... Des toilettes. Des toilettes. Oui, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que beaucoup de gens disent un toilette. Pour moi, c'est ni masculin ni féminin. Qu'est-ce que t'as découvert? Oh, le personnage. Alors attends, alors Ellie, elle va très très vite. En fait, regardez les petits copains et petites copines. Fais voir, on va leur montrer. Alors, je remets ça dedans, bougez pas, voilà. En temps normal, voilà comment ça se présente. Donc là, on a exactement des toilettes, ça reproduit du carrelage. Mais alors tout ça, c'est du carton, c'est du décor. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, le WC. D'abord, on ouvre le WC. Alors vas-y, montre-nous ce qu'il y a dedans. Celui-là. Alors dedans, il y a une bête. Et elle est magnifique, mamounette, regarde tout ce qu'on aurait pu avoir, je ne sais pas si tu l'as montré. Non, alors regardez, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et nous on a eu la petite, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre, regarde, c'est tout mou, c'est bizarre. Alors il y en a peut-être plus de 8 parce qu'elle n'est pas sur l'emballage, il me semble, celle-ci. C'est un garçon. Ah si, c'est celle-ci. Regardez cette petite figurine, alors elle est très spéciale, papounet, qu'est-ce que c'est? Un extraterrestre? Je sais pas, c'est glitter en tout cas, il y a plein de paillettes. Ouais, et c'est un petit peu Pac-Man, regarde Ellie, ça fait glouton, glouton, puis ça fait des bruits de bla bla bla. Alors ensuite... Et c'est quoi cette coupe de cheveux, mamounette? C'est trop bizarre. Il a une crête. Bon allez, sors-nous ce toilette, puisqu'on dit comme ça, regardez l'intérieur. Sympa. Sympa, donc, le packaging en tout cas. Alors à l'intérieur, donc, se cachait la bestiole. Voilà. Et regardez ce qu'on a dans le réservoir. Alors qu'est-ce qu'on a dans le réservoir? Alors qu'est-ce qu'il y a dans la chasse d'eau? Sachets de PQ. Des petits sachets de PQ. En fait, ce sont les sachets qui se dissolvent dans l'eau, mamounette. Donc on va les mettre dans l'eau. Et les petites surprises sont à l'intérieur. Et comme ça sera dissous, la surprise, faudra aller la chercher avec la petite cuillère. Je sais pas trop ce que c'est.
dans l'eau des chiottes. D'accord. On va mettre de l'eau, après on va mettre les petits trucs, on mélangera et ça va donner des surprises. Exactement. Et regardez, là il y a un trou, il pourra le manger. Elle a tout résumé, Ellie. Yes. Donc en fait, ce qui va se passer, je résume rapidement. Donc nous avons des toilettes, on va les ouvrir et on va mettre dedans un sachet qui va se dissoudre dans l'eau des toilettes. Écoute, on va remuer avec la petite cuillère qui est là. Le sachet va se dissoudre et on va pouvoir récupérer ainsi la surprise. On va faire ça trois fois puisqu'il y a trois sachets. Une fois qu'on aura les surprises, on va les disposer sur la table et la bestiole qui est là va pouvoir les gloutonner. Je sais pas comment on dit, mamounette. Les engloutir. Elle manger les petites choses. D'accord. Alors montre-moi un petit sachet pour voir à mais quoi ça. Mais c'est pas tout, mamounette. Attends, c'est pas tout. C'est pas fini. Non, une fois que le pouparousse aura englouti et ben la surprise, on va appuyer très fort dessus et qu'est-ce qui se passe? Il va faire caca dedans. Ah, d'accord. Oh non, il a fait caca sur sa tête. Bon, on y va? Regardez, oui, regardez les petits sachets. Ellie, elle avait raison, il y a du papier toilette dessus. Avec le petit point d'interrogation parce que c'est mystère, c'est surprise. Et oui, alors on va refermer. Attends, le réservoir. On va mettre de l'eau. Alors regardez les petits copains et copines. Alors c'est rigolo parce que il y a vraiment l'abattant. Et puis la cuvette, c'est trop rigolo, c'est vraiment des toilettes en fait. C'est bien. Allez. Fait, un super packaging. Donc je vais mettre l'eau. Alors j'en mets pas mal, hein, voilà. Voilà, jusqu'au trait, parce qu'il y a un trait. Et maintenant on va mettre le premier sachet. Vas-y ma puce. Alors là ça va se dissoudre. Donc je vais laisser tourner Ellie. Vas-y ma puce. Là, 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 tu veux que je te tienne la bâton? Allez, vas-y, je tiens la bâton. Oh vas-y, fais voir, oh, regardez. Oh, ça se dissout complètement. Oh là là. Tu vas avec les doigts toi? Ah, il y va avec les doigts. Qu'est-ce que c'est? Une crotte. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une crotte, t'avais raison, mamounette, tout à l'heure. Il semblait que c'était des caca dessinés. Une crotte pailletée. Oh, une crotte de licorne, comme celle de maman et d'Eli. Alors, on va essayer tout de suite. Quoi? comme celle de maman et d'Eli? Bien sûr. Tu m'as jamais dit ça? Bah. J'étais pas au courant. Oh, alors elle est en plastique dur, hein, par contre. Hein. Alors, regarde, mamounette. C'est rigolo quand même, ces petites choses. Je te montre. Donc, on a le pouparousse qui est là. Il va pouvoir l'engloutir comme ceci. Okay. Allez, mange le pouparousse. Et après, tu sais ce qu'il faut faire, ma puce? Alors, vas-y, et appuie. Alors, regardez bien, je sais pas si vous voyez. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Si, on voit quelque chose, ma molette. Regardez, il faut appuyer dessus. Et il va faire caca. Vas-y, appuie fort. Regardez. Plouc. Ah, d'accord, ok. T'as vu? Ok, oui, je me rapprocherai pour le deuxième. C'est rigolo, hein? Oui. Alors, vas-y, tu peux mettre le deuxième, ma puce, dedans, le deuxième sachet. Et puis, plouf. Alors regarde, ma mère, je vais te montrer. Hein. Alors attends, j'arrive, je vais voir le sachet qui se dissout. Ah, pardon. Alors, Ellie fait sa petite tambouille. Ah. Le papier s'est bien dissous. C'est dégoûtant, ma monnette. Est-ce que tu arrives à attraper la surprise? Tu peux relever la battant. Ouais, si ça te gêne. Hein. Regarde, on va relever la battant. Est-ce que tu arrives mieux? Oh, l'eau est pas propre. Hein. Ah bah oui, ça forcément. Ça fait pas envie. Hein. Où est-ce qu'il est? Alors Ellie, elle a la solution. Avec la main. Ah, qu'est-ce que c'est? Une chaussure. Ah non, il a mangé une chaussure. Regarde, mon mounette, mais c'est dégoûtant. Oh. Alors, fais manger au pouparousse, là, pour que je vois. Alors, comment regarde, ça fonctionne. Le pouparousse. Yap, 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 j'ai faim. Croum. Il avale. Okay. Et regardez dedans, vous avez un petit emplacement, voyez. Mmh. Hop, vous faites comme ça, et là, ah bah, il le fait tout de suite. Regardez, hop, je le mets dedans, et ah bah, dis donc, ça tient pas, ma mounette. Ah, voilà. Et là, on appuie, et... Voilà, d'accord. On fait caca. Alors ça doit mieux marcher quand même avec un vrai caca. On y va. Il mange son caca, ça c'est déjà, c'est bizarre. Et ensuite il le refait. Alors vas-y Pouparousse, fais-le. J'ai un petit peu la galère. J'y arrive pas. Ah, mais attends, peut-être qu'il faut faire comme ça. Ah oui, j'ai trouvé la technique. Alors regardez les petits copains et copines, j'ai trouvé la technique. Il suffit de faire manger la surprise au Pouparousse. Voilà. Et ensuite, on appuie comme ça, elle fait caca pour Pouparousse. Et il a fait caca. Ah, c'est dégoûtant. Ouais. Alors voici la troisième surprise. Ah, mais en plus, c'est visqueux, ma mounette. J'arrête pas de les échapper. Regarde, mais un c'est gâteau. C'est le papier qui doit rester encore dessus. On dirait une petite sucette ou un petit berlingot, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être bien, ma mounette. Ou un bonbon, moi, je dirais. Ou un petit bonbon. Alors oui, c'est un petit peu visqueux parce qu'il reste un petit peu du papier là qui se dissout dans l'eau. C'est dégoûtant, maman. Oui, alors les surprises sont très mignonnes. Ouais, c'est rigolo. Quand même. Et la petite chaussure, je ne l'ai pas super bien vue aussi. Non, mais... Non. Quelle idée. Est-ce que tu as déjà mangé une chaussure, maman? Non, mais qui a l'idée de faire des jouets
Nous, on jouait à la dinette quand on était petits, papa. Oui, c'est vrai. On jouait aux dinosaures, oui, on jouait aux petites Lego, voitures. Aux Playmobil. Aujourd'hui, on joue à faire caca. Bah, non, mais c'est pas. Vrai. C'est rigolo quand même. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais petit. Oui, regardez la petite chaussure. Oh, elle est rigolote. Elle me fait penser à une chaussure Shopkins. Hein? Tu veux la chaussure? Allez, la chaussure. Oui, c'est vrai que ça ressemble au Shopkins. Elle est très sympa. Tiens, ma puce. Alors, vous verriez l'état des toilettes. Vas-y. Pouf. Alors, Ellie, elle y arrive bien. Elle a le coup de main. Hein. Moi, je pense que j'ai des trop gros doigts. Ellie, elle y arrive super bien. Elle fait bloups et. Non, mais franchement, c'est quand même trop mignon, ça. C'est étrange, quand même, d'allier la mignonneté avec le 4K et les toilettes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, c'est rigolo quand même. Hein. Bon, c'est rigolo. Pouparousse, qui c'est qui fabrique ça, Papounet? J'en ai aucune idée. Je vais te le dire. On je vais sait essayer pas. De te dire. On sait pas, c'est trop nouveau. Déjà, c'est fabriqué en Chine et c'est Mattel. Ah, Mattel, comme les Barbie. Pareil, comme les Barbie. D'accord, ok. C'est rigolo. Bon, moi, j'ai envie de collectionner les autres, Mamounette. Bah oui, alors écoute, on n'a pas de petits dépliants par contre. Non, non, c'est tout sur l'emballage, d'accord. Mamounette, combien ça coûte ça? 2 euros? Non, une quinzaine d'euros. Quinzaine d'euros? Ouais. Bon, bah écoute, par rapport aux jouets de ce type, genre les poupées LOL, tout ça, on va dire que bah, on est dans l'ordre de prix. Hein, oh, ça puis va. Ce qui est bien, le toilette est assez grand. Parce que oui, papa, je dis un toilette. Donc le toilette est assez grand. Les toilettes. Et on peut faire jouer des Barbies dessus. Ah oui! Malin comme Mattel. Oui, c'est pas malin pas comme mal, Mattel. Pas mal. Oui, malin comme. Je sais pas. Non? C'est malin ça le jingle? Comme Mattel. Je sais pas. Je sais pas. C'est ça le jingle. Et à la fin, Mamounette, quand on n'a plus envie de jouer, en fait, on vide l'eau et on peut mettre ça sur une étagère. Loin, hein, très loin, loin des enfants. Et regardez, le petit personnage se met dessus comme ceci. Non, c'est sympa. Moi, Élise, ce que j'aime bien, c'est qu'elle joue bien dans le bain. Je sais pas si vous, les petits copains et les petites copines, vous jouez dans le bain, je pense, je suppose. Et dans le bain, il y a de l'eau. Elle adore jouer avec ses petits personnages là, comme ça, dans l'eau. Hein? C'est vrai. Et dans le bain, il y a de l'eau. Donc forcément, toilette, eau, on peut jouer on avec s'éclate. Ce jouet dans le bain, en fait. À fond. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est limite un squishy, quoi. C'est super agréable. Par contre, écoute le bruit que ça fait. Oui. Alors moi je dirais pas agréable. On dirait qu'il fait un bruit et oui. Et mon Mamounette, attends, mais tu crois qu'il peut manger n'importe quoi? Mais il m'a mangé mon nez. Mais c'est rigolo quand même, hein. Oui. Et on peut même mettre son doigt comme ça. Ah oui, on peut s'en servir. Regardez. Comme marionnette. Y'a que moi qui joue ou quoi là? Alors Ellie, elle toutouille, elle est en passion toutouille, c'est normal. Ouais, c'est de son âge. Et toi, tu t'éclates à trouver des choses, je sais pas. Mousse. Je te laisse parler. Bon. Les petits copains et copines, si vous avez aimé cette vidéo, bah écoutez, likez, partagez. Nous, on a bien aimé découvrir les pouparousses. Oui, on connaissait pas. On connaissait pas. Ça doit être dans les magasins depuis pas très longtemps, je pense. C'est tout récent, je pense. Hein. Bon, c'est un peu pipi caca, mais bon, c'est rigolo. Oui. Hein. Allez, les petits copains et copines, on fait de gros bisous. Surprise. Bah il y a oh t'en as perdu une. T'en as perdu une, mon dedans. Doudou. Elle doit être dedans, faut aller la chercher. Oh, je vous dis pas, elle va avoir les mains gluantes. Tu verras la couleur de l'eau des toilettes. Oh, doudou d'amour. C'est à quoi elle ressemble la couleur? À celle de nos vraies toilettes. Ah non. Je suis sorti là il y a deux minutes. C'est horrible. Bon, les petits copains et copines, on va se laisser sur le pouparousse. À très bientôt sur une nouvelle vidéo. Soyez sages. À bientôt. Pouparousse. Non, en fait, Mamounette, il m'a pas mordu.